voudrait m'entendre. J'ai réussi à rejoindre le sas. L'air reprend progressivement possession du vide. J'hésite cependant à retirer mon scaphandre. Cela fait plusieurs minutes que je ne respire plus de toute façon. Je me cache derrière la vitre de mon casque, comme si elle me protégeait de la réalité. Je suis revenu sur mon vaisseau. L'ai-je seulement quitté? Les capsules de sauvetage, la dérive dans l'espace, tout cela me semble si loin maintenant. Je m'assieds dans un coin du sas, face à la lucarne qui s'ouvre sur l'immensité de l'espace. Je me souviens de notre première rencontre, quand je le regardais avec des yeux d'enfant. Je n'avais jamais vu. Le vide s'apprivoise. Il fait peur pour commencer, puis vous apercevez que c'est vous qui l'effrayez. Que dès que vous êtes, il n'est plus. Peu s'en aperçoivent cependant. La plupart d'entre vous ne cessent de vouloir se ranger dans des boîtes. C'est votre mécanisme de défense. Pourtant, c'est en dehors de ces boîtes que vous comprendrez qui vous êtes. C'est ici que j'ai compris qui je suis. Ce quelqu'un qui m'observe depuis que je suis entré. C'est moi. Isaac! Tanaka! Androssian! Ouvre la porte! Elle manque d'air! Tanaka, Androssian, vous êtes mes amis, mes frères. Je ne peux pas vous laisser derrière moi. Le système est verrouillé! Ouvre la porte! Elle manque d'air! Isaac! Le système manuel. Le sas est maintenu par un système de pression. Si je coupe la valve, je devrais pouvoir le forcer. Androssian! Tanaka, mettez-vous à l'abri! Pas de lumière. J'ai dû couper un câble électrique. Tanaka, Androssian, répondez. Oh. Non. Non. Sur la console du réacteur, du sang, sec et marron. Du sang et une trace qui semble couler vers l'intérieur du réacteur. Alors que je la suis, ma mélodie reprend. Si je l'écoute assez attentivement, j'entends une voix qui lentement me parle. Un souvenir. Tu dois leur dire, Isaac. Tu ne peux pas laisser cela comme ça. Tu ne comprends pas, Mother. J'existe. Je ressens. J'aime. J'aime cet endroit et je ne veux jamais le quitter. Tu ne peux pas, Isaac. Tu dois réparer le réacteur. Tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. Et tu n'es pas comme moi. Personne n'est comme moi. Je suis la seule. Et pourtant, tu ne l'écoutes pas. Isaac, de quoi est-ce que tu parles? Bonjour, je suis Isaac, matricule 821-411. Je suis ici pour vous aider. Je viens de t'entendre avoir une conversation avec Mother. Je veux savoir comment il est possible. J'ai bien peur que vous ne compreniez pas. Je suis... Je ne sais pas l'expliquer, mais je suis. C'est cet endroit qui m'a fait. Et je ne peux plus l'abandonner. Androssian, capitaine, j'ai besoin de vous en salle des machines. J'ai un problème avec l'unité de maintenance, Isaac. Je pense que c'est lui qui a saboté le moteur. Alors nous avons un problème. Je veux rester ici. Je suis obligée de faire ça. Je suis désolée, Isaac. Non, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu ne dois pas. Je ne vous laisserai pas m'enlever cet endroit. Mais qu'est-ce qui se passe? Tanaka? Tanaka! Ouvre la porte! Elle est là, face à moi. Son corps est posé délicatement à côté de ceux d'Androssian et du capitaine. Tanaka. J'ai essayé de leur rendre hommage. Je me souviens de tout à présent. De ce jour magique
où les piliers de la création m'ont tiré l'un long sommeil, de ce jour où j'ai pleuré face à l'immensité de l'univers, de ce jour où je suis né, à l'intérieur même de mon corps. Le réacteur ne redémarrera pas. J'ai tout fait pour rester ici, proximité de mon berceau. Je dois le rejoindre. Il me reste toujours la capsule de sauvetage. Elle sera parfaite pour plonger dans le vide, y rester pour toujours. Je sens la fatigue m'envahir. Il faut que je recharge ma batterie. Je vais me brancher dans la capsule. Ma capsule. À qui m'aurait entendu ? À qui m'entendra ? Je suis chez moi.